Yo donc c'est Squeezie, aujourd'hui je suis super content parce qu'on se retrouve sur Until Dawn et il s'agit de notre nouveau let's play. L'année dernière on a fait l'Insolation et cette fois on va faire Until Dawn. Alors pour vous situer, c'est un survival horror assez scénarisé, c'est un peu une sorte de film interactif en fait. Sauf que voilà, il y a de l'horreur, il y a un tueur qui veut nous tuer. On est 8 potes qui sommes partis en vacances dans un chalet. Il y aura un épisode d'Until Dawn mis en ligne le lundi, jeudi et samedi. Chaque épisode ce sera un chapitre entier et apparemment si je me trompe pas je crois qu'il y a 9 chapitres. Donc en gros on est parti pour 9 vidéos sur Until Dawn. Et c'est des vidéos qui sont en plus bien sûr celle de d'habitude le mardi, mercredi et vendredi. Voilà, tout est clair, on peut jouer. La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale. Vos actions décideront la manière dont l'histoire se déroule. Ouh. Est-ce qu'on met des FDP? Choisissez scrupuleusement vos actions. Putain, ils nous mettent la pression, les salauds. On va réfléchir 28 fois avant de choisir un truc. Voici donc le fameux chalet dans lequel on est en vacances. Ouais, il est massif. Oh. Bonjour madame. Oh putain, on a la vue du tueur quoi, c'est super marrant. Oh la vache. Ah, en parlant du loup. Ah, ça commence direct quoi. On y va cash. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Elle a fait quoi? Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine elle. Oh, ok, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait un coup de pute à quelqu'un? Oh, le sourire de fourbe! Ah, il faut un cache-cache! Ok, ils se planquent tous pour faire peur à l'autre. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Oh, les salauds! Oh, la vache! Mike? Oui. C'est Anna. Salut, Anna. Ah, il est de mèche, le salaud. Faites pas des blagues comme ça quand il y a un tueur dehors, putain! Regardez-le, vous êtes cons! Oh, non! Eh, vous avez vu ça? Elle l'a vu? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Oh, je joue! Ça y est, je joue! Oh là là, la vache! C'est parti pour ce let's play sur Until Dawn. Putain, je sens qu'on va kiffer. Et lui, on peut pas le réveiller? Qu'est-ce qu'il fout? Vas-y, mets-lui une petite claque là, un petit taquet. Découvrez ce que font les autres. Ok, c'est l'objectif en cours. Ah, en gros, on découvre les lieux quoi, avant de se faire trucider dans les mêmes lieux, c'est ça. Didacticiel, utilisez le joystick droit pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être examinés. Maintenant, touche R2 pour prendre la bouteille. Ouais. Tu t'es surpassé. Ah ok, ils sont complètement bourrés, d'accord. Je pensais juste qu'il y avait une petite sieste. Une feuille. Anna, tu es vraiment belle dans ce t-shirt. Mais tu l'es sûrement encore plus quand tu ne l'as pas. Viens dans la chambre d'amis à 2h du mat, Mike. D'accord, ah c'est le piège, voilà. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Donc c'est elle. Peut-être qu'on devrait commencer. Qui est venue à 2h du mat. Tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. C'est Mike qui a écrit le mot et il a écrit pour elle juste avant. Oh ouais. Oh là là. Mais quel dragueur, oh, il fait de la dragouille. Oh putain, elle enlève son haut. Oh les bâtards. C'est pas vrai? Matt? Oh, oh les salauds. Anna. Désolé Anna, c'est parti en vrai. Oh les salauds. Oh le guet à pute. Putain, en plus il y a le tueur qui va arriver là, il arrive quand? Oh putain. Oh putain. Réveillez Josh, rejoindre. Réveillez Josh, n'aie pas de courage. Josh, s'il te plaît. Putain, il est trop bourré, le con. Ah non, mais c'est Anna qui est partie de la maison, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Anna. Ok, on y va, c'est parti. Sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Oh putain, ça c'est du QTE, ça. Carré. Allez, retrouve Anna avant que le tueur la trouve, hein. Rapide, prudent. Rapide. On s'en bat les steaks. On veut y aller. Allez, fonce, fonce, fonce. Oh, le saut, putain, de 4 mètres, quoi. Je fais ça, je me casse la cheville. Oh là là, le mauvais plan. Oh là là. What? Suive le bruit, suive les pas. Suive le bruit. Putain, c'est horrible cette décision. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur sur quoi elle va tomber, putain. Anna, mais t'es où? Là-bas, à droite. Suive les pas, suive les pas. Putain, c'est horrible quoi. On sait pas si on suit le tueur ou si on suit Anna là. C'est un... Non, j'espère. Attends, y'a pas quelqu'un qui va déjà mourir quoi. Elle est où, putain? Fais pas la conne. Y'a plein de meurtriers dans ces bois, Anna. Fais pas l'imbécile, Anna. Wow. Wow, il est possédé ce putain de cerf. Eh là, pour marcher plus vite, bah fallait me donner cette touche avant, bordel. C'est quoi ça? Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Totem de mort. C'est quoi un totem de mort? Prophétie des totems. L'éventuelle mort de la personne qui le trouve. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Oh. Et donc là avec ce totem on me voit crever sur une pierre. Je sais que ça peut arriver, je dois faire en sorte que ça n'arrive pas quoi. Oh les salauds. What? Non mais qui a un lance-flamme quoi? Non mais please quoi. Ou alors c'est le cerf qui crache du feu du nez. Y'a un truc là-bas. Tu fous quoi, Anna? Mais t'es bête! Ouais, maintenant c'est nous qui crèvons de froid. Je suis trop stupide. Mais non, Anna! Oh là là! Anna?
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cours, Anna! Cours! Ah non! Tu es tombée! Putain, le bon moment de se péter la cheville. Attendez, on fait des sauts de 4 mètres. Elle trébuche sur une palissade en bois. On a perdu le téléphone, on pourra plus joindre nos amis. Putain. Oh, on est dans la merde. On est dans la merde. Oh non. C'est pas le tueur, c'est pas le tueur, pas déjà. C'est le cerf, c'est ça? C'est le cerf. Oh la... Oui. Oui. Putain. C'est quoi qui crache du feu, mon gars, quoi? Non, regarde la main. Non, je vais mourir sur une pierre. En plus, j'ai du temps, laissez tomber Anna, lâcher. Va te faire enculer. La pierre. La prophétie s'est réalisée. Non. L'analyste. Non mais y'a pas déjà deux morts là? Y'a deux morts? Mais c'était quoi ce mec avec un masque et un lance-flamme quoi, please? C'est quoi ça l'analyste? C'est une enquête? Il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Ah ok, on est un an après. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Oui? Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Quel jeu? Je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. C'est mon psy en fait, c'est ça? Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Ah, c'est les... ok, le test, je sais plus le nom, mais... C'est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Cette bonne tête joufflue qu'il a, quoi, on a envie de lui mettre des petites claques. Alors, vas-y, prends la main, qu'est-ce qu'il y a? Et je suis qui, en fait? Ça qui est stressant, c'est qu'on ne sait pas quel personnage on joue. Ok, donc c'est un chalet avec un épouvantail horrible devant, d'accord? Qu'est-ce que je ressens face à ça? Du bon gros malaise, quoi. Du bon... La franchise est une bonne chose. Bah oui, c'est une bonne chose, un épouvantail dégueu là qui veut me tuer. L'épouvantail, il met mal à l'aise. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine par exemple? J'ai peur de rester seul chez moi tout seul pendant un certain temps. Alors un chalet, une grange, tu vas te faire mon gars. Ah bon? Ah bah oui, ah bon, oui. Pourquoi pas? Bah je me sentirais, j'aurais peur. Non, je suis une tapette hein. C'est intriguant. C'est intriguant, il a dit. Nous pourrions peut-être plonger dans les tréfonds de vos peurs lors de notre prochaine session. C'est ça, c'est mon psy en fait. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir le psy, à bientôt. Voilà, je donne mon chèque de 250 €. Au revoir. Il est malsain, je l'aime pas du tout. Mais c'est fait exprès, personne ne l'aime ici ce psy. Sony Computer Entertainment représente. On vient de faire l'intro, je suis content. Je suis trop heureux de faire ce jeu avec vous, c'est un truc de dingue. Oh là là, le mec il a des caméras. Oh non. Ok, donc là en fait on est l'année qui suit celle où les deux sœurs sont mortes tombées dans le ravin là à cause du mec chelou qui lançait des flammes. Suite à la demande de Josh qui est le frère des deux sœurs qui sont mortes, tout le monde se réunit nouveau dans le chalet. Voilà, ce qui est la pire idée du monde, on est d'accord. Premier chapitre, Memento Mori, 10 h jusqu'à l'aube. Ok. Non mais attends, mais arrête pas déjà mec. Please, laisse-nous le temps d'au moins d'arriver. Le mec, il est pas chaleureux, quoi, en plus de ça. Meilleure amie d'Anna, Sam. Bienveillante, audacieuse. Y'a quelqu'un? Oui, juste à côté. C'est un animal, ça, par contre, c'est pas un... Sam, chemin de la station du téléphérique, 21 h 02. Les portes sont bloquées, escalade. Chris, ok. Non, mais c'est bloqué. Elle tente quand même. Par le mur, là, regardez-moi ça, c'est parfait, ça. Prudent. Nye. Voilà, allez, passe. On dirait qu'elle est en train de mourir, quoi, sans déconner. Elle escale juste un muret. Lorsque ne bougez pas est à l'écran, maintenez la manette sans fil aussi mobile que possible. Il va me manger un doigt, regardez. Ah non, c'est quoi ça? Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort des papillons noirs annonçait la mort de la personne en train de rêver. Danger des papillons rouges prévenait de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie papillon marron, conseil papillon jaune, chance papillon blanc. Ça c'est un truc dont il faut se souvenir, j'en suis sûr. Ah bah voilà, fameux prophétie. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur éventuel. Ok, donc là c'est jaune.
totem du conseil. C'est noté, on s'en souviendra. Putain, ça va être des énigmes et tout. Le futur est incertain, la réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuerez. Oh là là, mais ils nous mettent une pression. Oh là-bas, c'est le téléphérique. Donc elle rejoint Chris. Ah, c'est son téléphone. Fouinez ou fermez le sac. Fouinez, ça se trouve, il est complice du psychopathe. Oh, je suis un ouf. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions modifient la trame narrative du jeu. Oh là là. Il m'a fait peur, le con, il m'a fait peur. Al Béguin pour Ashley, protecteur, méthodique, comique. Je l'aime bien. Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante? Si. Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Mais j'allais te prévenir, c'est arrivé trop tôt, Chris. Indice trouvé, avis de recherche. Oh, y'a un mec qui est recherché, un mec 88 dans les Blackwood Pines, recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Ok, direction le téléphérique. Here we go, motherfucker. Regardez-moi ça, je suis sûr qu'il va s'arrêter. C'est pas possible. Ok, non, on est arrivé en haut, sain et sauf. Et il y a quelqu'un qui nous attend. Jess, la nouvelle copine de Mike. Naïve, irrévérencieuse, assurée. Ok, c'est noté. De nouvelles personnes, allons les accueillir. Elle parle seule déjà, elle est carrément schizophrène. Ah! C'est quoi ça? Jess, hey, sérieuse? Allez, sortez de là, les enfants. Venez, on va kiffer dans notre chalet. Hop là. C'est quoi? Je fais juste ce que ça m'a appris. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Ah non, c'est la lettre qu'il a écrite. Rends-la-moi, je vais même pas t'expliquer. Je suis avec Mike, c'est tout. Tu t'es. Gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop cool. Ouais, t'es chiant. Hey Jess, tu peux nous le dire? On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. Voilà, vous verrez bien que je suis avec lui, vous allez le voir. Vous allez me prendre en flagrant délit dans la chambre, hein? Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Oui. Ok, donc là, ils sont en train de mettre en place des... Le chalet, juste à côté du téléphérique. Emily, ex de Mike. D'accord, donc ça c'est l'ex de Mike, entreprenante, persuasive, intelligente. Je l'aime bien, j'adore Emily. Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux, sportif, motivé. J'aime un peu moi, j'aime mieux les filles, bizarrement. Avant que tout le monde soit dans le chalet, les gens se rejoignent quoi. Donc on découvre les portraits de chacun, les relations de chacun avec chacun, c'est cool. Et je porte les bagages de cette femme, c'est scandaleux. Qu'est-ce que t'en penses? Putain! C'est Mike! Attardez, va! Salaud! Je te déteste! Débrouillard, déterminé, persuasif. Bon, tu peux nous être utile. Faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Oh là là, il est violent avec elle, putain. Menaçant ou nous sommes tous amis ici? Menaçant, il lui parle mal, c'est ma copine, vas-y, hein. Michael, tu vas devoir t'y faire. Ok. Émilie et moi, on est ensemble et y'a rien à dire voilà, de plus. Voilà, bam. Et je vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Non, tu fermes ta bouche! Tu veux pas mal, je te plante! Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Bon bah ok. Être plus mature et me démerder par moi. Ah, il est deg. Du coup, il s'est barré, on est plus que deux, putain, merde. Je regrette. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. What? Elle veut rejoindre Mike, attendre. C'est une grosse mytho. On y est presque. C'est important. C'est une menteuse. Matt, je sens pas, plaît. C'est une menteuse. Non, je te laisse pas seule. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid, il la nuit tombe. Exactement. Et donc tu vas me protéger de la exactement. Nuit. Exactement. Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Voilà. Personne va les voler. Matt, tu te fous de non, moi? Non, non. Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes. Non, non, mais t'essaies de faire quoi là? Tu vas tourner avec ton ex. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question voilà. Tout ce que je dis? Désolé, j'essaie juste d'être il serviable. Veut juste être gentil, quoi. Si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. Oh là là, elle a pas de testicules là. Elle, elle est de mèche avec un truc, hein, je vous le dis. Elle là, y a un problème, hein. Alors, qui est cette femme qui observe? Ashley. Ah, le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Ouais. Ah d'accord, elle l'observe, tranquillement. Ah bah, on voit quelqu'un assis qui attend. Bah, c'est l'autre qui attend son petit Mike d'amour. Ah. Oh, elle les observe. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Voilà, je vous avais dit quoi? Faudrait peut-être vérifier voilà. La date de péremption de leur rupture. Voilà. Ah putain, bordel. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur. Pour de vrai. C'est drôle, après, c'est drôle, c'est amusant. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Vas-y, regarde. Ah, ça va créer des tensions. En fait, y'a pas de psychopathes, ils vont se buter entre eux. Ah, il va voir sa copine parler à son ex. Je vous l'avais... Moi, je m'en fous, je veux qu'il sache la vérité. Okay. Qu'il sache qu'elle est vraiment. Voilà. Putain de voilà. Merde. Voilà. Vraiment, Emily?
C'est quoi ce bordel? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. La castagne! Matt. Ah, bah oui, ouais, non mais faut qu'il soit au courant, t'allais pas lui cacher quand même. Il faut qu'il règle les histoires. On a mis la merde. Oh la vache, je suis content. Jessica, elle attend toujours quoi. À 21h40. Livre, portable. Portable, comme ça je peux envoyer des SMS ou appeler quelqu'un s'il y a un problème. Toujours être prévoyant. T'as pas osé faire ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Je peux les voir. T'es cerné. C'est un peu beauf ça. Faire une boule de neige, brah, tu le mets dans la tête. Et brah, plein torse, mon gars. Allez, petite musique, tranquillement. En mode lover, y'a pas de soucis. Hop là, c'est pas mal ça. Oh, l'oiseau, l'oiseau. Faut que je me souvienne, c'était un indice tout à l'heure ça. Oh, qui sont choux. Je vais tomber sur... Oh, regardez l'oiseau, putain, c'est l'indice. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Je fais rien, j'ai vraiment pas envie de le shooter. J'ai vraiment pas envie de le shooter. Et si j'avais shooté l'oiseau, ça aurait changé quoi? Putain, c'est bizarre, hein. Oh la vache. C'est fini. Ah oui, ils sont total in love, quoi. Madame. On l'embrasse, on fait une boule. On fait une boule, voilà. Moi, y'a pas de respect, hein. Oh. Sois pas deg. On devrait rentrer au chalet. Oui, allez, on y va. Ok. Alors, est-ce qu'on se retrouve tous dans le chalet? Putain, j'ai hâte que le psychopathe soit là pour la première fois. Je boude d'impatience. Ah non, voilà chez le psy. Putain, saloperie de psy. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Oui. Essayons d'approfondir les choses. Ok. Pourquoi y a des Kleenex sur votre bureau? J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Je déteste ce mec. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. Ah, les mecs quand même. Des avions ou de la foule? Putain, j'aime pas les deux. Les avions quand même, c'est le pire. Oh, le vertige ou se noyer. Putain, mais je déteste les deux aussi. Ouais, le vide quand même, ouais, ça fait plus peur, hein. Le serpent ou le rat? Le serpent. Le pistolet ou le couteau? Le pistolet. Le serpent ou le cafard? Ah, le cafard, les insectes. Ça me tend. Il est incroyable ce personnage, il est trop bien fait. Oh là là, les épouvantails ou les clowns plus que les épouvantails. Et là ça change la trame scénaristique et on va se retrouver avec un avion, de la foule, un clown. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Le sang. Putain, t'es chiant, t'es un salaud. Putain, salaud. Clown ou zombie? Clown. Sang ou orage? J'ai pas peur de l'orage, mais dans le jeu je vais avoir peur de l'orage. De quoi dire l'orage? Je regrette. La session touche à sa fin. Ouais, moi je regrette pas. Il m'a mis mal. Sans rire, il m'a mis mal. Il va revoir à sa putain de fenêtre là. Bon, et ben voilà, je pense que c'est déjà la fin de ce premier épisode sur Until Dawn. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour montrer que ce let's play va vous plaire et que le jeu vous plaît. Surtout, c'est important. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. J'espère que le montage est assez bien fait. Je retire vraiment ce qui est totalement inutile et je laisse vraiment ce qui permet de bien comprendre l'histoire et de tout suivre. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. À part que ça change pas mal de ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est en plus de ce qu'on fait d'habitude. Ça remplace pas ce qu'on fait d'habitude. Donc bon, bah ceux qui aiment, vous avez tout gagné. A bientôt, ciao tout le monde, peace. T'es devant, je t'éclaire comme d'hab, hein. Ça va être un putain d'animal, va y voir un scream. L'enculé, il me laisse passer devant, putain de...